Hello à vous, ici Fred Laolès, et on se retrouve avec Quick pour un nouvel épisode de Borderland. Alors j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va mieux. J'avais enregistré pas mal de Borderland, donc ça m'a permis de faire un break, si vous voulez. Donc là, ça va. Là, ça va. Ça va un petit peu mieux. Alors, Terre sauvage, difficulté impossible, braquage de banque. On en est où là? Le Dust. Le bon, la brute et le Mordecai. Prendre les barils de bière 0 sur 10. Après ce qui est arrivé, Sanguine, Mordecai veut se venger. Il y a des années, Mordecai a gagné le Grand Prix de l'Underdome. On va prendre des barils de bière, écoutez. Pourquoi pas? On va essayer, on va tester du coup. On va upper un peu, hein, parce qu'il est clair que j'ai pas le niveau pour. Il est clair que je n'ai pas le niveau pour m'attaquer au gros gros gros, donc on va upper un peu. Faire upper nos compétences. J'ai pas en plus le personnage le plus facile du jeu, il faut le savoir. S'ils ont fait Tiny Tina, enfin la nécromancienne qui ressemble à Tiny Tina, c'est bon. S'ils ont fait la nécromancienne assez badass et avec un piège mort qui envoie du lourd. Le sadique, lui, est. Ah, donne-moi ta bière! Le sadique, lui, est. Par contre, assez difficile à gérer. Comment je fais pour les prendre? Pas lui tirer dessus. Elle commence bien. Y a pas de timing, c'est déjà ça. Mais on pouvait lui tirer dessus, hein. Il faut les prendre, y a un truc à prendre avant, je sais pas. Comment on fait? Ou ça a bugué, tout simplement. Ah. Voilà. Pourquoi j'arrive pas à lancer le turbo, bon sang. Ouais, mais tu vas pas me balancer un baril de bière tous les. Ah, je me suis coincé. Tu vas pas me balancer un baril de bière toutes les demi-heures là. Genre un épisode, un baril de bière, un autre épisode, deux barils de bière. Ça me fout les boules et je vais arrêter du coup. On va passer à une autre mission. Là, ça commence à être relou. Ah, 2 sur 10.
Hop, bon, j'espère que vous allez bien. Ouais, moi, ça m'a permis de faire un break. Je suis assez content de l'accueil que vous avez fait à Fallout 4, hein. Vous avez été aussi enthousiaste que moi. Ça fait réellement plaisir. Alors de mon côté, j'ai des petits bugs de son. Quoi ça? Caravane, mais non, je la bibine moi. C'est pas vrai. Eh mec, on est qu'à 3 bubines hein, quand même. Hein. Il nous en faut 10. Hein. Je sais pas si lui tirer dessus, ça le fait réagir ou pas. Ou s'il est programmé pour en lancer un, je sais pas, à chaque tour. Ou au bout de 2 heures de jeu, tu as les 10. Mais clairement, tourner autour d'un camion comme ça. Ça fait un petit peu yèche. Je pense que ce qu'on va faire, c'est une ellipse. Je ne vais pas lâcher le camion jusqu'à avoir les bibines. On va faire une ellipse. De toute façon, je vais suivre le petit camion là, hein, jusqu'à ce qu'il me lâche toutes ses bières ou je sais pas, ou jusqu'à ce que je pète un câble. Et je vous reprendrai une fois que j'aurai ces 10 bières, parce que me voir tourner autour d'un camion, je pense que ça va pas être. Marrant pour vous, hein, vous voulez voir un petit peu d'action et un petit peu de fail. Donc écoutez, je vous reprends tout de suite. Une fois que j'ai les 10 bières, je vous reprends. À tout de suite, les amis. Re, les amis, me voilà donc en possession des 10 bières. Ça a pas été. Ça a été long. Ça a été très long. Hop, hop! Bordel, et voilà. De se battre trop près de la bordure. Moi-même, quand il n'y a pas d'ennemis, enfin, pas d'ennemis. Il y a les petits bandits en voiture. Mais c'est pas grave, on a les bières. On a les bières, on a les bières. Voilà, les ramener à Mordecai ou à Moxie. On est où là? Oh. Matérialiser un véhicule. Non, X. Je me cours avec Fallout. On va prendre un Light Runner, tiens.
J'ai pas de nouvelle couleur, non? Bah, blanchi par le soleil. Allez, hop! Voilà! Avant de ramener à Mordecai, non, c'est pas là que je voulais aller. Est-ce que je peux rentrer dans mes menus là? Ouais. Avant d'aller à Mordecai, on va tenter de trouver. De trouver le Dust, le bon, la brute et le Mordecai. On va tenter de le trouver, hein. Je sais plus si je l'avais trouvé déjà ou pas. Apparemment, ce serait là, mais ce serait dans les hauteurs, non? On va passer par là, il me semble que c'est dans les hauteurs, par là. Hop, 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 hop. Non? Hé, j'ai loupé mon saut, c'est pas celui-là qu'il fallait faire. Si, c'est celui-là ou c'est pas celui-là qu'il fallait faire, saut? Pour aller dans les hauteurs, on peut passer par... sais pas trop. Je pense pas. C'est là-haut. De toute façon, est-ce qu'on peut y accéder autrement? On va essayer d'y accéder, de refaire le saut pour y accéder. Il me semble que c'est celle-là. Sinon, on laissera tomber, écoutez. Voilà. On va descendre là. Mais non. Non, B. J'ai pas mal joué à Fallout ces derniers temps. Ceci explique cela. Je pense hein, que c'est de là. C'est qui tire? Bon, ils se sont explosés tout seuls, au moins, c'est clair. Que je reprenne mes marques, moi. Faut que je reprenne mes marques. Bon, alors attendez, est-ce que c'est par là? Est-ce que c'est pas par là? Parce qu'ils sont marrants, les cocos. Ils nous distraient, mais. Bon, allez, on va leur faire plaisir. Ah. Hop. D'ailleurs, oui, Portunax m'avait dit que je ne me servais pas assez de mes compétences, donc... On va essayer de remédier à ceci. Je te remercie de tes conseils. Passer par là. Non, ça c'est pour changer d'arme. Non, Fallout, c'est pour tirer. On va reprendre notre... Hop. C'est pas bientôt fini. Ah, il a eu le temps de reprendre sa vie. Avant que ça finisse, avant que ça finisse, avant que ça finisse. Ouais.
C'était quoi ce bruit? On aurait dit un empaffé d'Hyperion qui essayait de m'extorquer les infos. T'as entendu ça, frérot? Absolument, frérot. Et si on... Mavis, non! Jettel aussi cherche le trésor. Merde. C'est un malfrat d'Hyperion, plus tordu qu'un boomerang. J'ai dû emmener Carson au Friendship Gulag d'Hyperion. Donc voilà, si je me tais, c'est pour vous laisser écouter les dialogues. Donc on va peut-être pas y aller à pied, on va voir où il y a un autolock. A votre avis, qu'est-ce qui vaut mieux? Un bouclier qui recharge plus rapidement, mais qui a moins de vie? Ou un bouclier qui a plus de vie, mais qui recharge très très peu? Enfin, pas trop rapidement, quoi. J'avoue que sur le coup, j'hésite. Parce que c'est vrai que mon bouclier a de la vie. Mais quand il est vide, je le ressens, quoi. Et les boucliers sur Borderlands. Vous savez ce que j'en pense. Il n'y a pas quelque part un autolock. Ah, j'en suis loin, effectivement. Non, peut-être si je reviens en arrière. Parce que même pour me transporter dans ma bagnole, j'ai besoin de l'autolock. Bon, écoutez, on va aller à la destination. On va voir comment on va s'en tirer. On va essayer quand même d'aller à Desti en même temps. Hein. On n'est pas dans la merde. Écoutez, c'est pas bien grave. Je crois que j'ai vécu le pire quand j'ai affronté le transporteur. Non! Je confonds avec Fallout! Allez, déployer le véhicule. On n'a pas le temps de faire du design. Peut-être passer par l'autre côté. Non, c'est où? Ah, s'il fallait aller par derrière, d'accord. C'est en haut, quoi. Ou au fond, peut-être. Trois petits chats, chats.
se bloque. Ça aussi, les voitures tout-terrain qui se bloquent pour un rien, c'est un bonheur. Ah bah, c'est par là. Bon, là, il y a des plots, donc c'est normal. Mais... c'est là, les amis, c'est là. Friendship Gulag. Oh, on va au Gulag ? On va au Gulag, les amis. Friendship Gulag. C'est parti. Donc quoi, on va faire des grosses sessions secondaires. Des grosses sessions secondaires pour... pour upper, quoi. Ah oui, lui, on devait le... le ranger. Donc ça, je vais le vendre. J'ai les miens, de toute façon, d'équiper. J'ai quoi d'équiper? Ouais, j'ai les miens d'équiper. Ça, je vais... 688. Est-ce que je l'ai, le mien? Non. Donc, c'est celui que je dois garder. Ça, je le garde, je l'avais dit. Ça, je le vends. Ça, je le vends. 4,55. Hop. 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 Voilà. J'ai tellement fait de sessions de Fallout que... on va pas en faire un plat. Alors là, je crois qu'il y a des robots. Des robots. Il me semble, un Friendship Gulag, en général. Comme ça, on up un peu. On pourra aller aussi faire... ah putain, c'est merde là. Allez, on va aller leur dire bonjour. Mais non! Ça n'a servi à rien. Waouh! C'est tout des exploseurs. Bon, on est mort. À moins que lui il meure. Non, même pas! Je porte réclamation! Ta connerie, elle réapparaît ou non, elle non réapparaît. Voyez ce qu'ils disent comme... comme les missions faciles.
à Borderlands, on est là pour en chier, les amis. Ça, c'est clair. Oh, je l'ai loupé en plus. Non? Non. Il m'explose sur la gueule. Non! Mais il y en a trop là! Mais ils sortent d'où? Si on peut se diriger directement vers la... Bah voyons. Cours-moi dessus. Quoi qu'il m'a... Ah. On est mort. Oh, on est mort. On est mort. Oh, on est mort. Non, même pas. Hop là. Voyez un petit peu. Non, on peut pas ouvrir la porte. Je pense qu'il doit falloir tous les tuer, non? C'est pas... De toute façon, je ne savais pas sur qui aller. À un moment donné, ils seront tous morts. Ce qui est bien, c'est qu'on perd pas l'XP. Je n'avais jamais eu ce message-là. De... Hop, voilà. Nous sommes ici à 19 minutes, donc 20 minutes. Plus la dizaine que j'ai tourné avant, avant l'ellipse. Je pense qu'on va essayer d'aller voir l'entrée du goulag et qu'on se laissera là. Ah oui? Laisse-moi recharger, mec. Ah ouais? Ouais, second souffle. Moi, ouais, j'y croyais pas parce que je savais pas... Merde, recharge. Ah, je l'ai loupé. Mais t'es tellement horrible!
Ça c'est good pour moi. On est arrivé à se cacher. On arrive à être pas trop nul, ça va. Faut dire que le fait de plus avoir la bronchite, ça aide. Aussi. Ça, c'est un volant, ça. Il me fait chier, je sais pas d'où il arrive. Hop! Bon, on va essayer de voir. Où on doit aller, c'est ici. Comment je fais? Ouais, c'est les barreaux qu'il faut que... écarter. Oh. Eh, c'est quick les mecs. Oh. Tu nous fais sortir d'ici si je te dis tout, d'accord? Bien sûr. On est potes, pas vrai? Alors il est où ce coffre? Au flat, enterré dans une tombe. Alors, tu nous fais sortir quand? Ça me surprend pas. J'ai entendu parler de ce Mobley. Un petit voyou. Dangereux. Sois sur tes gardes. Ok, bah écoutez, Mobley, si on le rencontre, ça sera dans le prochain épisode. Après, on rentrera à Sanctuary, changer de tête, changer d'apparence et rendre les quêtes. On décidera si on donne la bière à Moxie ou à Mordecai. Je pense la donner à Moxie, j'ai un petit faible pour Moxie. Enfin bon, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un petit pouce bleu, un commentaire. J'interagirai toujours avec volupté, délice et dissidence avec vous. Pour l'heure, il ne me reste plus qu'à vous dire bisous filles, amitié aux gars et à très très bientôt. Bye bye.